rafale de scorpion dans l'aile. Tu connais même pas cette folle. T'es là, tu me dis c'est ta hlèle. Ça craint ces temps-ci, piste bien ton rétro. Ils font les bâtards, ouais, je les analyse trop. Ça me dit que j'en mets trop, que je te fais parano. Elle fait sa folle, elle aime les quatre anneaux. Ah, allô, il m'appelle de cellule. Il m'a dit à la SS, j'ai entendu la cellule. Aujourd'hui sur GTA 5 Online en 1.46 pour une toute nouvelle vidéo de glitch. Avant que la vidéo elle commence, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, je compte sur vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour qu'on tente l'objectif des 10 000 abonnés le plus rapidement possible. Donc je remercie vraiment toutes les personnes qui contribueront à l'abonnement. Et sachez que le 28 mai 2019, pour mon anniversaire, je ferai un live spécial anniversaire. Voilà, donc le 28 mai, je vous ferai un live. Merci à toutes les personnes qui participeront au live. Et puis voilà, donc on pourra faire des sessions abonnées, etc. Donc voilà, petite annonce, au moins vous pouvez prévoir d'avance. Aujourd'hui les gars, tout simplement une nouvelle vidéo concernant une vidéo de glitch. Donc comment avoir tout simplement les casques à bière, d'accord. Donc les masques, combinaisons 3D et casques à bière. Donc tout simplement les gars, il faudra vous rendre sur une session online. Donc avant que la vidéo commence, au passage, n'hésitez pas à rejoindre tous mes réseaux sociaux qui sont en description. Voilà, donc c'est le meilleur moyen pour me contacter. Et mon crew GTA 5, donc que je vous affiche actuellement à l'écran, où on est environ 533 personnes. Voilà, ça fait vraiment extrêmement plaisir. On tente l'objectif des 600 personnes le plus rapidement. Et puis voilà. Donc c'est parti les gars, une fois que vous êtes dans une session, n'importe laquelle, vous allez faire pavé tactile. D'accord. Donc les gars, une fois que vous avez fait pavé tactile, c'est très simple. Vous allez modifier l'apparence de votre personnage. Donc pour ceci, vous allez tout simplement aller dans modifier l'apparence. D'accord. Donc c'est, vous faites pavé tactile, ensuite style. Et là, vous allez voir, il y aura marqué modifier l'apparence. D'accord. Allez, on modifie l'apparence. Hop. Donc là, ça va vous remettre tout simplement dans la sorte de salle de prison qui vous permettra de pouvoir changer l'apparence de votre personnage gratuitement. Donc en plus, ça va tout simplement vous mettre votre personnage. Donc il faudra faire une manipulation à ce que votre personnage soit masculin et féminin. Donc c'est très simple les gars, cette manipulation. Donc elle est quand même difficile, mais c'est faisable. Donc là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement aller dans vêtements, t-shirt de crew. Et là, vous allez faire rond, flèche de bas et flèche de gauche. Et là, vous faites ça plusieurs fois. D'accord. Hop là. Regardez, moi, j'ai réussi du premier coup, les potos. Donc, vous avez vu que tout simplement, je suis allé sur les vêtements. J'ai fait flèche de... J'ai fait rond et flèche de bas en même temps. Et ensuite, j'ai fait flèche de gauche. D'accord. Rond, flèche de bas et flèche de gauche. D'accord les gars, donc c'est vraiment pas difficile à faire. J'en suis sûr que les gars, vous allez y arriver comme moi. Moi au début je galérais parce que j'essayais de tout faire rapidement. Mais non, c'est pas ça la technique. Vous faites les deux ronds et flèches de bas en même temps. Et ensuite la flèche de gauche une seconde après. À ce moment là les gars, vous allez descendre et faire sauvegarder et continuer. Donc là vous renommez votre personnage comme vous le souhaitez. Vous prenez la photo comme vous le voulez aussi. Donc là les gars, une fois que vous avez pris tout simplement une photo, ça va vous faire réapparaître dans une session avec cette fois-ci votre personnage féminin. Donc les gars, nous voilà ici. Donc là vous êtes en session online, donc vraiment une session nickel. Voilà, donc si vous n'êtes pas trop c'est bien. Mais bon, si vous êtes trop, mettez-vous en mode passif d'avance pour éviter vraiment tout problème. Ok, donc les gars, niveau à ce moment là ce que vous allez faire, c'est très simple. Donc là vous êtes tout simplement ici, vous allez vous diriger au magasin de vêtements le plus proche possible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre, parce qu'après on aura besoin d'aller au magasin de masques. Ce qu'on va faire, on va se venir directement aller au magasin de vêtements et on se rejoint directement après. Donc je vous reprends directement, donc niveau commentary, après, une fois qu'on est tout simplement au magasin de vêtements. Et de toute façon je vous laisse avec le gameplay et je vous mets en musique. Ok les potos, maintenant vous êtes tout simplement dans un magasin de vêtements. Donc jusqu'à là c'est nickel. Donc ce que vous allez faire, donc vous n'êtes pas obligé d'aller au même que moi évidemment. Vous allez aller au plus près possible. Donc moi je suis allé celui-ci, qui est le plus près du magasin de masques. Donc là les gars, ce que vous faites, c'est simple. Vous rentrez à l'intérieur, vous allez vous diriger directement au niveau des chapeaux.
Donc dans ce magasin-là, les gars, les chapeaux se retrouvent juste ici, là, au niveau des casquettes. Vous allez aller dans les casques anti-émeute. D'accord, donc qui sont normalement tout en bas. Casque anti-émeute, et vous allez prendre exactement le même que moi, à partir du éclat. Donc de la protection éclat. D'accord. Vous allez prendre le éclat, donc vous allez prendre exactement les mêmes que moi. Donc vous allez prendre le anti-émeute éclat, le clair forêt, le camo turquoise. Donc déjà les gars, prévoyez quand même pas mal d'argent, c'est sûr que ça serait mieux. Ensuite vous allez prendre le beige, l'anti-émeute bleu pix. Donc là en fait les gars, si vraiment ça, en fait c'est ce qui va vous permettre d'avoir tout simplement les tenues de combinaison. D'accord, donc de toutes les couleurs, parce que faut savoir que pour avoir les tenues combinaisons, bah, tout simplement il y a eu vraiment fallait se connecter à des périodes différentes, et là on a vraiment réussi à trouver un glitch. Je vous ai trouvé un glitch pour vous la communauté pour les avoir tout simplement avec une manipulation. Donc c'est vraiment super cool les gars, donc ça marche à 100%. Donc ces deux là les gars, vous n'êtes pas obligé de les prendre hein. Ça c'est moi qui les avais pris avant, mais faudrait que vous faut de sûr que vous preniez la protection anti-émeute éclat, anti-émeute clair forêt, camo turquoise, beige et pix. Donc au total vous en avez 5 à prendre, d'accord, donc qui coûte environ 25 000. Donc moi ce que je vous conseille les gars, c'est d'avoir au minimum franchement au moins 200 000. Je pense que 200 000 vous suffira, même 100 000 vous suffira, mais vraiment les gars, essayez d'avoir 150 000 $ pour faire le glitch, ça serait vraiment bien. Vous faites un Bogdan pour vous faire 1 000 000 et ensuite ça sera bon. Donc là les gars, jusqu'à là on est bon, d'accord. À ce moment-là, vous quittez tout. Donc ça, c'est ce qui vous permettra d'avoir la tenue de combinaison orange, vert et bleu. Et bien sûr, rose. À ce moment-là, les gars, on est bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va se diriger au niveau des hauts. D'accord, les potos. Donc là, on va aller au niveau des hauts. Donc là, vous êtes dans les hauts, d'accord. Donc là, c'est nickel jusqu'à là. Donc vous allez aller dans les chemises de travail, vous descendez tout en bas. Chemise de travail, et vous allez prendre exactement la même que moi, d'accord. Vous allez prendre la grise carreau rayée, donc qui est là tout simplement 26/37, un peu comme celle de l'homme. Hop, voilà, vous la sélectionnez, elle coûte 652 $, donc vous la prenez. À ce moment-là, vous allez aller dans les t-shirts. Et dans les t-shirts, vous allez prendre exactement les mêmes que moi, donc vous pouvez partir du... Et vous allez prendre le 37/70, donc qui est le t-shirt court RCSC blanc. D'accord, vous le prenez. Et voilà, donc là déjà les gars, premièrement on a fini tout simplement ce qui est de la tenue. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est très simple, on va se diriger directement au niveau du magasin de masques. Donc pour ça vous prenez votre véhicule et vous allez vous diriger au niveau tout simplement du magasin de masques. Donc on se retrouve directement au magasin de masques. Nous voilà les gars au magasin de masques, donc là tout à fait nickel. Donc là ce qui vous permettra tout simplement d'avoir les casques à bière, donc comme vous aurez pu le voir, donc c'est les casques à bière les gars qui nous permettront tout ça. Donc là les masques que je vais vous mettre, c'est ce qui nous permettra tout simplement d'avoir les casques à bière, d'accord. Donc vous prenez bien exactement les mêmes que moi. Donc vous allez prendre le masque tout simplement marron. Donc ça sera le premier à avoir. Les autres, vous n'êtes pas obligé de les avoir les gars, d'accord. Le masque marron, le masque noir. Donc là vous l'achetez. Le masque de clown, le masque rose et le masque don. Donc le masque don un peu Anonymous, d'accord. Donc il va vous en falloir pas mal hein. Ensuite le masque vert, le masque Morhid. Et donc les gars, jusqu'à là c'est nickel pour le moment. Donc au total vous devez en avoir 3, 6, vous devez avoir 7 masques, d'accord. Donc 7 masques que je vous montre à l'écran. Donc les autres au-dessus du marron, vous n'avez pas besoin de les avoir.
Donc les gars, une fois que maintenant vous avez le masque marron, noir, clown, rose, don, vert, hémorroïde, eh ben c'est nickel. Là on est bon pour les cascabières. D'accord. Ensuite les gars, maintenant ce que vous allez faire, c'est faire rond. Vous allez aller dans les sacs en papier. D'accord. Donc les gars, c'est parti dans les sacs en papier burger. Donc là, vous allez dans les sacs en papier, bam. Une fois que vous êtes dans les sacs à papier, vous allez aller prendre le burger shot, tout simplement. Donc qui est le 20e sur 27. Voilà, c'est exactement celui-ci. Vous le sélectionnez, d'accord. Donc tout ça vous permettra d'avoir votre casque à bière, les potes. Vous le sélectionnez, d'accord. Vous sélectionnez votre masque. Une fois ceci fait, les gars, on est bon. Là maintenant on reprend le véhicule tout simplement. Et donc jusqu'à là on est bon. Là maintenant ce qu'on va faire, on va se diriger directement au niveau du magasin de vêtements. Et puis c'est parti les potes. Donc les gars, tout simplement tout ce que je viens de vous montrer, c'est tout simplement pour avoir les masques tout simplement de Yeti, les masques de licorne, les masques Krampus, etc. Donc vraiment les gars, maximum de likes pour ce glitch qui est vraiment vraiment très très rare à voir sur YouTube. Vous m'avez demandé beaucoup de glitch qui ne sont pas refaits, qui ne sont pas connus. Donc là les gars, je sais que beaucoup de personnes cherchent à avoir tous ces masques là. Donc voilà, je vous en fais la vidéo. Je trouve vraiment que c'est pour moi c'est vraiment un glitch qui mérite d'avoir des likes et beaucoup d'abonnements. En tout cas si vous êtes content de cette vidéo, parce que je sais que beaucoup de personnes m'ont demandé comment on fait pour avoir tous les anciens masques rares. Voilà, je vous fais la vidéo. Merci à tous ceux en tout cas qui mettront un petit like pour me soutenir et me remercier de mon travail. Donc les gars, maintenant vous allez aller au magasin de vêtements comme je vous l'ai indiqué. Donc bien sûr le plus près, ne vous embêtez pas. Donc là jusqu'à là nickel, on va rentrer dans le magasin de vêtements. Une fois dans le magasin de vêtements, on va se diriger directement au niveau des chaussures. Donc ici. Ensuite on va aller dans les bottes caoutchoutées. Et dans les bottes caoutchoutées, vous allez prendre tout simplement exactement les mêmes que moi. Donc en partant de la fin. D'accord, hop, je vais prendre. Donc là normalement vous les aurez aussi. Donc faut que vous preniez tout simplement les 4 dernières. Donc c'est à dire les caoutchoutés terre, unis, donc gris et rouge, et dégradé de gris. Donc là les gars, vous en avez 4, d'accord. Vous en avez 4, donc prévoyez vraiment pas mal d'argent, environ 200 000 à 300 000 $. Parce que c'est peut-être cher, mais vous avez vu tout ce que vous pouvez avoir les gars, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, vous les sélectionnez, donc là vous les prenez les gars, donc là jusqu'à là c'est nickel. Donc maintenant ce que vous faites, c'est tout simplement vous quitter. Et donc là les gars, c'est bon, tout simplement les codages, donc on peut dire ça comme ça, sont terminés. Et donc là maintenant on va passer au reste de la manipulation. Donc c'est un peu comme les tenues codage, la manipulation, donc le reste. Donc là les gars, vous allez aller tout simplement dans le mode éditeur. Donc là vous lancez le mode éditeur les potos. Donc là maintenant une fois que vous êtes dans le mode éditeur, c'est très simple, vous allez faire start, vous n'allez rien faire d'autre, vous allez faire start. Vous allez aller dans en ligne et vous allez faire jouer à GTA Online, donc session sur invitation. Donc hop, donc là vous êtes sur une, vous voyez il y a le message session d'invitation. Et donc là vous allez voir que normalement ça va vous mettre un message, voulez-vous modifier l'apparence de votre personnage. Évidemment les gars, vous allez accepter le message. Donc là on va pas tarder à le recevoir normalement. Voilà, voulez-vous modifier l'apparence de votre personnage, donc avec plaisir vous le modifiez. Donc en attendant, maximum de pouces bleus les gars, on tente l'objectif vraiment des 100 à 200 pouces bleus sur cette vidéo, parce que je trouve vraiment que ça les vaut. Merci à toutes les personnes qui le feront. À ce moment là les gars, malheureusement il faudra faire une dernière fois la manipulation du début pour pouvoir changer son apparence. Donc là vous allez aller sur le t-shirt de crew, donc très simple, flèche de rond, flèche de bas. D'accord les gars, c'est simple, vous faites rond, flèche de bas et X avec flèche de gauche et ça sera nickel. Donc hop hop et donc là vous allez voir qu'au début les gars c'est un peu dur, je vous comprends, moi aussi moi-même j'y arrivais pas. Vous faites juste rond, flèche de bas et flèche de gauche, d'accord. Vous allez y arriver au bout d'un moment.
Bien sûr les gars, si vous failez, c'est pas grave, vous pouvez tout à fait refaire à chaque fois. Donc les gars, vous pouvez voir que moi tout simplement c'est pas super facile aussi pour moi. Donc vraiment les gars, faites du mieux que vous pouvez jusqu'à que vous y arrivez. De toute façon c'est en persévérant que vous allez y arriver. Voilà les potos, vous avez pu voir que j'ai quand même réussi. Donc là je vous ai fait vraiment aucune coupure pour pas que vous disiez que c'est fake, tout simplement. Donc voilà, j'ai vraiment galéré, je vais pas vous le mentir. Donc des fois ça marche à tous les coups, des fois ça ne marche pas à tous les coups. Faut vraiment persévérer les potos. Donc vraiment merci à tous ceux qui persévéreront et qui diront pas que c'est du fake. Donc voilà, si je vois vraiment que la vidéo elle est vraiment trop longue, je vais vous la raccourcir évidemment. Mais sachez que j'ai fait pour l'instant aucune coupure. Donc voilà, j'ai vraiment galéré au début avant d'y arriver. Donc vous pouvez voir que ça fait un bug au niveau des cheveux, etc. Donc même si vous, il n'y a pas de bug, il n'y a rien à craindre. Donc là les gars, jusqu'à là, tout est nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, ça va nous faire accès à GTA Online en bas à droite, comme vous voyez à mon écran. Donc c'est tout à fait normal. Ça va vous remettre dans une session, tout simplement dans une session online. Donc là nous voilà ici les poteaux, d'accord, on est ici, donc là jusqu'à là tout est nickel, il n'y a vraiment rien, rien de foufou. Donc là c'est tout à fait normal. Maintenant ce que vous allez faire, c'est faire club de motards. Donc vous allez appeler un véhicule, donc une petite moto par exemple. Donc vous appelez la moto que vous voulez, d'accord les poteaux, appelez vraiment le véhicule que vous souhaitez. Donc moi j'appelle ma BF400 tout simplement, donc au moins ça ira plus vite. Et donc là maintenant à ce moment là les gars, ce qu'on va faire c'est tout simplement aller dans les masques, d'accord. On va aller dans les masques, donc vous pouvez aller directement soit dans vos masques, mais donc là ce qu'on va faire c'est tout simplement pavé tactile, accessoires, masques. Et donc là maintenant vous allez pouvoir apercevoir que vous allez avoir tous vos masques, d'accord. Donc là vous avez déjà les masques donc là je vous montre les poteaux, d'accord, vous avez déjà ce qui est des masques de Krampus, donc le Krampus abominable, le Krampus odieux, le Krampus terrifiant, le hideux. Et donc là jusqu'à là tout est nickel. Et regardez les poteaux, le masque quasiment le plus rare du jeu, donc la licorne avec le Yeti qui se trouve juste ici. Regardez les potes, donc vraiment ce sont les plus beaux masques que j'ai pu trouver qu'il y a sur GTA V. Voilà, donc vous pouvez vraiment apercevoir que tout simplement j'ai les masques, j'ai les masques, la vidéo est vraie et non fake comme certains peuvent le penser. Parce que oui, même moi au début je me suis dit en trouvant ça sur l'américain que j'ai regardé, c'était quand même bizarre. Mais vraiment au final quand on voit les résultats, c'est vraiment incroyable les potes. Donc regardez, par contre le petit souci c'est que vous perdez vos tenues. Donc ça les gars, entre guillemets, on va dire qu'on s'en fout un peu, parce que vraiment le résultat, regardez les gars, tout ce qu'on trouve, les masques de licorne, le masque de Yeti. Donc vraiment moi je trouve que ça en vaut la peine. Vraiment les tenues modées, à la rigueur je pourrais les refaire, mais cette fois je pourrais en refaire des mieux avec tout simplement les nouveaux masques. Voilà les gars, merci à tous d'avoir participé à la vidéo, donc merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin, ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin. Moi les gars je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Et bye tout le monde. Bye.